Donc j'espère que vous allez bien, c'est Auteur, et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur The Forest. Et aujourd'hui du coup on est parti pour le premier épisode sur The Forest 2. Donc on est parti, j'ai déjà du coup commencé le jeu, donc je connais un peu le début. Malheureusement je suis désolé, j'ai eu un problème, du coup j'ai dû refaire à zéro. J'ai eu trois fois trois problèmes sur trois parties différentes. Donc je dois avoir 1h30 d'ancienneté sur le jeu. Et ouais, en fait j'ai plus de stockage. Donc là je vais re-regarder, mais normalement bon. Donc on a ces trois bonhommes, trois personnages qui ont disparu tout simplement. Donc on va essayer du coup de les retrouver, et donc on est parti. Je vais regarder du coup dans propriété, et je suis bien évidemment à 8 gigas de libre. Et fichier internet, ouais je peux rien supprimer pour... Ok, bon bah je suis à... Oh putain, non on est dans la neige. Ok bon tant pis. Et ouais, du coup, 8 gigas, ouais, ça va, c'est pas beaucoup. Hein. Ok. Donc ouais, je sais pas du tout c'est qui lui, mais bah c'est pas un des trois, hein. Mais je pense que c'est du coup lui qui a capturé les trois riches qu'on devait sauver. Je sais pas, on va voir. La qualité est juste incroyable. Merci encore pour les 500 abonnés et plus. Donc franchement, on s'approche vite fait, enfin vite fait, ouais non. Mais on s'approche petit à petit des du coup 1000 abonnés, et j'ai très hâte tout simplement pour avoir du coup les 1000, enfin la monétisation, et du coup pouvoir bah soit vous faire des giveaways, mais je pense que ça va être un peu moins fréquent, mais lors d'occasions spéciales pourquoi pas, mais surtout du coup bah pour les jeux, pour oh, tiens. Pour les jeux et pour mon matos, hein, comme vous pouvez le voir là, ça frise un peu. Alors que je suis en moyen, hein, je suis en qualité moyenne. Mais bon. Donc voilà, hein, j'améliorerai mon PC, et du coup aussi j'achèterai des jeux pour bah, continuer les vidéos. Donc voilà. Donc je vous demanderai pas, hein, bien sûr, des dons sur PayPal ni rien, hein. Mais si vous voulez me soutenir, bah, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à regarder mes vidéos. Pas toutes, parce que ça sert à rien de se forcer, mais vous avez compris. Hop, parfait. Au début je savais pas qu'il fallait faire ça. Donc dans le jeu il y a un système de saison, on verra au fur et à mesure, mais voilà. Ça va être du coup assez sympa. La qualité est incroyable, hein. Pareil, le sac à dos. C'est incroyable, bref. C'est magnifique. Ah, c'est mieux là pour chercher tout ça là. Si à chaque fois... quand j'étais dans la forêt, c'était un peu plus chiant à trouver. En vrai, là, je pense qu'il y a moins d'indigènes, donc on est beaucoup plus tranquille. Il y a encore un truc là? Ah non. Ok. Donc on va prendre du coup notre petit iPhone, et on a bah
un truc là. Donc je l'ai pas faite cette grotte du coup, j'en ai fait qu'une, c'était celle du départ, donc enfin de la forêt, donc on va découvrir ensemble. Ah ouais, c'est stylé. Au moins la survie va être différente que les autres youtubeurs que vous regardez. Vu que on a spawn et directement bah, dans la neige. On va sauvegarder et écraser du coup l'autre. Voilà. Oh, elle est nickel cette grotte, parfait. Elle est pas chiante. S'il y en a, c'est horrible. Bah, celle de d'avant là où on devait passer par par des petits côtés là, ce genre de grotte j'aimais pas du tout. Hein. C'est trop relou. On va descendre. On va essayer de se faire une base, pas tout de suite, mais prochain épisode. Donc on va commencer à descendre. Pour aller sur, bah, sur la deuxième grotte, je crois, elle est intéressante du coup. On va voir. Mais je crois que là-bas, c'est celle là-bas. Ouais, c'est celle-ci là-bas, là, qui peut être intéressante comme, comme grotte. Et ensuite, du coup, on aura du coup beaucoup d'outils et tout, et on va pouvoir commencer à build et tout ça, à chercher. On va éviter de mourir. Ok, donc le K il est derrière, hein, il est en train de nous faire tout le tour. C'est trop beau, hein, franchement. Attendez, mais ça se trouve, je suis pas sur la même grotte que de base. Ouais, c'est pas la même. Il est où mon couteau? Ah, il est là. Oui. Putain, j'espère qu'on va pas m'attaquer. Putain, non, je peux pas. Hein. Ah là, ça me dégoûte.
Après, je récupère plein de ressources, c'est ça qui est bien. Ok. Peut-être ils veulent pas que je passe, hein, tant mieux. On va pas forcer l'entrée. Hein. Moi, ce que j'ai envie de faire, en vrai, en fait, les grottes, c'est que vous recevez beaucoup de ressources. Vous récupérez tellement de ressources que, genre, mais après, du coup, ça vous avance trop dans la game. Donc, en vrai, je pense, on fait pas les grottes maintenant. Vas-y, on va pas faire les grottes maintenant. Là, on va se concentrer, du coup, sur. Sur la base. Et sur les points. Ah oui, il y a les points. Il y a les grottes, les points violets et les points verts. Les grottes, c'est du coup pour avancer dans les games. Point violet aussi et je crois point vert. Du coup, c'est pour l'aide. Ah oui, c'est cette grotte là-bas, là. Celle en bas, là. Et ben, du coup. On va chercher le point vert. Oh, oh la dinguerie. Oh la dinguerie. Y'a pas un petit truc ici? Ok. Oh la dinguerie, je suis passé devant un camp. Ah ouais, c'est dangereux en fait de passer comme ça. Ah ouais. Ah ouais, ils sont nombreux. Hein. Allez, on se casse. Ce qui est important à noter, c'est qu'ils sont beaucoup plus intelligents, ils sont tellement mieux. Ce qui est important aussi à noter, du coup, c'est que j'ai mis, du coup, en bas, l'attaque et la vie des indigènes. C'est-à-dire qu'ils sont un peu plus faciles. Oh, il y a des... Ah oui, carrément, il y a des trucs. Ah ouais... Ok. Il y en a un là-bas. Et il s'enfuit. Ok. Bon, on va aller voir le point vert pour voir ce que ça fait. Ok, on y est presque.
Ok, c'est ça. Oh, ça se trouve, ça c'est l'aventure. Genre, c'est. Il y a les grottes. Les bunkers. Il n'y a qu'un bunker. Oh, je sais pas. Elle. Je crois que c'était. Non, c'est pas elle. Si, c'est elle normalement. Mais c'est ça. Oh! Quoi? Avec. Ça là. La résine d'imprimante.